Intérieurement, mon choix était déjà fait. Mon choix était déjà fait parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai bien accroché avec Flo. J'ai eu une très très longue et bonne discussion avec le coach. C'était pour moi le moment de changer. Et puis j'avais cette volonté aussi de rejoindre le club. Donc je suis content d'être là. Après avoir vécu toutes ces saisons, après avoir vécu aussi une situation, une saison difficile la saison dernière à Marseille, j'avais envie de jouer, de vivre des grands moments. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un club aujourd'hui, le Stade Rennais, qui est ambitieux, qui a envie d'aller plus haut en championnat, de jouer la Coupe d'Europe assez régulièrement. Et ça fait partie aussi de mes ambitions et de mes objectifs. Donc je suis là pour essayer d'aider justement à atteindre ces objectifs-là et puis de prendre un maximum de plaisir sur le terrain. L'ambition, c'est avant toute chose, c'est déjà de garder, on va dire, les résultats positifs qu'il y a eu la saison dernière, d'essayer de faire mieux, justement, c'est la Ligue des Champions. Mais maintenant, faut pas non plus s'emballer. C'est clair qu'on a envie d'être le plus haut possible, mais on est conscient aussi qu'il y a d'autres équipes derrière qui sont très très bien armées. Si on arrive, tant mieux, mais on sait que ça ne va pas être simple. Il faut rester quand même raisonnable parce qu'il y a énormément d'adversaires, qui ont un budget aussi qui sont beaucoup plus élevés que le nôtre. Donc voilà, à nous de tout faire pour essayer de rivaliser avec ces équipes-là et puis de gagner, déjà d'être régulier dans le championnat. Et puis de progresser aussi à ce niveau-là. En fait, le discours, c'est très clair et c'est être honnête avec la personne qu'on a en face de nous. C'est lui dire, voilà, nous, on a un projet, on a un club qui grandit au fur et à mesure, on a de l'ambition et on souhaite que tu viennes pour nous apporter ce dont tu as été capable d'apporter pendant X années, notamment à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, et après, c'est lui faire comprendre que ce club-là, eh ben, on mettra aussi tout ce qui est possible de notre côté pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils soient bien. Et surtout, comme il l'a dit, c'est prendre du plaisir. Voilà, quand on a 37 ans, on a envie évidemment de continuer à gagner, ce qui est logique parce que c'est un compétiteur. Mais aussi, c'est prendre du plaisir. Il n'y a pas que les aspects, tout ce qui va autour du football. Il y a aussi le plaisir qu'on peut prendre pour jouer. Et je pense qu'il en a pleinement conscience qu'ici, il va pouvoir prendre du plaisir, apporter aussi à notre équipe certaines choses qui nous manquaient sans doute la saison passée. On sait qu'on a aussi pas mal de jeunes joueurs qui sont là, qui ont besoin de se nourrir de l'expérience d'un joueur comme Steve. Voilà ce qu'on attend de lui. Voilà ce qu'on attend de lui. Et voilà ce que j'ai pu, entre guillemets, avec le coach notamment, lui définir comme projet. C'est parti. Ok.